Oh baby, come fuck me. The fucker come down from me. Yeah. When the fucker come down by you, when the fucker come down by you, girl call me, make me hammer you, girl call me, make me hammer you. When the fucker come down by you, when the fucker come down by you, girl call me, make me hammer you, girl call me, make me hammer you. She said she can't wait, she said the fucker come down. She can't wait, she said the fucker come down. Girl, hurry up, hurry up, hurry up, girl, run come to my body, nigger in shock. Hurry up, be a bag of mouth, talk, go up your cap. Wine and go down, gotta win a postpone. In the, me know you must moan. She hook to the thing, you leave me alone. Night and day, she a call off my phone. Chris and Dan and Shelly, so she want to dagger way up in the belly. Nervous breakdown, girl, can't stay steady. So make sure you fit, girl, make sure when you ready. When the fucker come down by you, when the fucker come down by you, girl, call me, make me hammer you, girl, call me, make me hammer you. When the fucker come down by you. Ouais, ça va bien. C'est bien passé la compète, on a eu du vent. Donc la Freestyle School, c'est le, on va dire le, la renaissance du LCS. C'est mon collègue Cyril, mon collègue Manx, voilà, on a remonté ça l'année dernière. On a aussi l'association AFCG. Et on fait location surf, planche à voile, catamaran. On permet d'entraîner les enfants le mercredi ou le samedi. C'est la Demax Challenge. C'est un concept un peu nouveau. On a voulu sortir du format de course habituel, 10 GPS et voilà. En fait, on part par pool de 10 pendant 20 minutes, pas de consigne si ce n'était de rester dans le lagon. C'est à 0,01 nœud près. GPS enregistre en fait en instantané la vitesse maximale. Donc ça a simplifié si tu veux le format de course. Donc pas de bouée, pas de départ, on essaye d'aller le plus vite possible. La vitesse maximum atteinte. Donc là on a voulu faire une compétition un peu familiale. Voilà, tout le monde sait avancer vite en planche à voile. Qui regroupe un peu tous les planchistes. Même les jeunes, dès 8 ans, du moment qu'ils mettent les pieds dans les straps, bon, ils peuvent faire la compétition. If I'm for such she get it, me know she not love it. Y'all over seas, them are internet it. Y'all know where I'm truly mine. For me up on me, but you know I got in time. Hope you can bubble me, hope you can mine. Hope you can utilize the rest line. When the fucker come down by you, when the fucker come down by you, y'all call me, make me hammer you. Y'all call me, make me hammer you. When the fucker come down by you. Là, ce qui compte, en fait, c'est pas tellement la vitesse moyenne et puis tout ce qui est jibe au niveau des virages, la vitesse maxi. Les réglages sont pas du tout les mêmes. Il faut pas que la planche soit le plus stable possible. Au contraire, il faut qu'elle soit un petit peu, enfin, pas trop collée à l'eau. Et au lieu de naviguer travers, là, c'est plein largue, on abat pour gagner de la vitesse au maximum. C'est vraiment la vitesse de pointe, c'est même pas une vitesse moyenne sur 500 mètres, là, c'est vraiment que de la vitesse de pointe. Mais l'avantage, c'est que c'est un petit peu plus simple. Au niveau des compétiteurs, on a moins besoin de se gérer les uns les autres parce qu'on court chacun pour soi. On peut aller chercher le vent où on veut et ce qui est bien surtout, c'est qu'on peut se régler comme on veut. Trouver, en même temps, il faut trouver en fait le meilleur compromis entre le moins de houle et le plus de vent. Les Bustériens sont pas là, donc en même temps c'est sur l'année, donc se placer au meilleur endroit avec le plus de vent et puis d'aller le plus vite, hein, c'est tout con, c'est aller le plus vite quoi. Donc là on a fait une journée d'ouverture, donc déjà on a eu de la chance parce qu'on a quand même eu du vent ce matin. Sur une année de haut, à partir d'aujourd'hui, du 10 janvier 2010 jusqu'au 14 décembre 2010. On peut venir toute l'année nos jours d'ouverture. On vient quand en fait tous les week-ends. Le jour où il y a beaucoup de vent. Midi, tu vois qu'il y a carton de vent. Pour venir disposer d'un GPS. Tu viens, t'es déjà inscrit. Nous on est là pour noter, pour valider le temps. Tu prends le GPS et tu t'amuses. C'est vraiment vis-à-vis du dépassement finalement personnel. Le but du jeu c'est de se faire plaisir. Et en même temps on se mesure aux autres à la fin avec la lecture des résultats. Tout en alliant
certaines techniques bien sûr. Et à la fin de l'année, le 14 décembre, on refait la même journée. Là sera la clôture et là je pense qu'il y aura des tons qui sont vraiment high. On fera la remise des prix qui élira le meilleur de Guadeloupe sur l'année. Quoi. Et c'est une première en Guadeloupe.